Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, dans le parc national des Calanques. Moi, je suis moniteur de plongée, je suis instructeur-trainer, ça veut dire que je peux vous former du débutant au moniteur de plongée ainsi qu'au moniteur tech TDI. Et donc, la question du jour, c'est quelle formation plongée on peut offrir? Alors, pour un non-plongeur, c'est assez simple, hein. Vous pouvez bien sûr offrir un baptême de plongée, vous pouvez aussi offrir un premier niveau de plongée, ça c'est super top, hein, quelque chose qui va se faire sur 3-4 jours, génial. Alors maintenant pour un plongeur. Alors pour un plongeur, quel cadeau plongée on peut lui faire? Alors bien sûr, on peut lui acheter du matériel, mais c'est toujours délicat, hein, on ne sait pas trop ce qu'il a, etc. Et puis du matériel, on est toujours content de l'avoir, mais c'est vrai qu'une expérience plongée, c'est toujours génial. Alors après, la meilleure formule, hein, si vous ne savez pas, c'est d'acheter des bon cadeau plongée dans une école de plongée de votre choix, et comme ça la personne pourra choisir la formation qui lui est adaptée. Si vous voulez quelque chose de plus précis, alors il y a des formations qui sont super, qui peuvent faire plaisir à peu près tout le monde, hein, que ce soit une personne très chevronnée ou une personne qui a un premier niveau plongée. C'est le cursus, par exemple, Intro to Tech. Intro to Tech, c'est l'introduction aux techniques de plongée tech pour améliorer sa configuration plongée, hein, apprendre à gérer du matériel un peu plus technique, améliorer surtout ces techniques en termes de palmage, de flottabilité, de trim. Et ça, c'est très très précieux. Même si la personne ne fait pas de plongée tech, ça va lui apporter beaucoup de choses en termes de respect de l'environnement, en termes de consommation et en termes de effort sous l'eau. Hein, la gestion de la flottabilité, c'est vraiment quelque chose que l'on sur lequel on insiste dans le cursus Intro to Tech. Donc ça peut être une très bonne idée de cadeau formation plongée. Hein, c'est une formation plongée qui se fait sur 2 jours. Alors, autre formation plongée qui est très à la mode, c'est la formation plongée caverne. Hein, ça, c'est ce qui permet de découvrir les techniques de plongée en grotte. Hein, donc, bien sûr, il y a plein de gens qui disent, mais rentrer dans une grotte, c'est facile, j'ai déjà fait. C'est pas faux, mais c'est vrai aussi que si c'est facile d'en rentrer, c'est pas toujours facile d'en sortir. Donc, ce qu'on vous apprend durant le module caverne, hein, qui va durer 2 jours généralement, c'est toutes les techniques de pose de fil d'Ariane, de suivi de fil d'Ariane, de gestion de sa configuration de façon à avoir une configuration fluide qui ne risque pas de traîner partout, qui ne risque pas de provoquer les attachements, les emmêlements, etc. De gérer l'éclairage, hein, parce que si tout va bien quand on est éclairé dans une grotte, dès que la visibilité est moins bonne, notamment si on soulève le substrat, c'est beaucoup moins évident. Donc gérer tout ça, gérer bien sûr, hein, comme je viens de le dire, l'approche avec le substrat, donc en ayant une technique de palmage qui permet de ne pas soulever tout ça, hein, en travaillant aussi sur le trim, hein, la gestion de l'équilibre et de la position sous l'eau. Donc ça aussi, c'est une super formation. Enfin, je dis, il y a plein de choses, hein. Il y a aussi la formation biologie sous-marine. La formation biologie sous-marine, ça c'est, j'en ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est super parce que ça éveille l'œil du plongeur et ça lui permet vraiment de rendre beaucoup plus riche ses plongées parce qu'on comprend l'écosystème, on devine ce qu'on va voir, on comprend les interactions et ça c'est absolument génial. Bien sûr, après on a la formation recycleur qui permet là, de franchir vraiment une étape, puis puisqu'on rentre dans le cadre de la plongée, on va pas dire sans limite, mais une plongée vraiment très 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 différente. Le monde du silence, donc sans bruit, avec peu de préoccupations sur l'autonomie et vraiment une impression de fusion avec l'environnement. Donc ça, la formation recycleur, si vous voulez faire un cadeau à un plongeur, hein, alors il faut savoir qu'il va peut-être pas apprécier au début parce que ça va lui changer ses habitudes, mais au bout de 3 à 4 plongées, ça va être le déclic de se dire, mais c'est incroyable, pourquoi je n'y suis pas venu plus tôt? Voilà quelques idées cadeaux qui peuvent vraiment faire plaisir à un plongeur qui est vraiment soit aguerri, soit relativement débutant, hein, des idées cadeaux formation plongée. Mais pour ça, hein, vous pouvez bien sûr prendre des bons chez Aquadomia, hein, des bons cadeaux formation plongée, mais il y a d'autres écoles qui en proposent. Voilà, tout simplement.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia One. Et puis surtout, si vous avez des questions relatives à la formation plongée, n'hésitez pas, vous postez un commentaire, hein, bien sûr, toujours avec une formule de politesse, un petit bonjour, tout simplement. Hein. N'hésitez pas à regarder dans toutes les vidéos si je n'ai pas déjà répondu à la question. Voilà, et bien à bientôt.